Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui on va parler d'iPhone X, iPhone X, iPhone X. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il nous parle Apple, mais il nous parle qu'il y a surtout un téléphone qui va valoir le prix de mon salaire. Attends, il va avoir le prix de mon salaire. 1159 € pour le 64 Go, 1329 € pour le 256 Go. Attends, ouais. Ah ouais, c'est chaud quand même cette année. C'est chaud. Mais c'est chaud de quoi, c'est chaud? Alors, ouais, c'est cher, c'est très cher. Mais je vais pas venir là, je vais pas dire, ouais, Apple c'est le meilleur, ils ont sorti le meilleur téléphone au monde, la meilleure technologie. Non, non. Non, non. Je ne suis pas un anti-Apple, je ne suis pas pour Apple, mais je vais quand même essayer de décortiquer un petit peu là, le système d'où Apple travaille. Alors on va chercher un tout petit peu. 1159 €. Alors là, les amis, il faut que j'appelle vraiment mon patron. Il faut que je lui dise. Ah, c'est pas possible, il faut que j'appelle mon patron. Alors donc je vais appeler mon patron avec un petit Nokia qui s'ouvre à clapet. On va l'appeler. Bon, ouais, je sais, je suis désolé. J'ai pas de smartphone à 50 €. Ouais, il faut que j'économise pour m'acheter l'iPhone 8. Non, l'iPhone 8. L'iPhone 8 Plus. Non. Ah, je sais plus, l'iPhone X, l'iPhone X, l'iPhone X. Au mois de novembre, ils sortent l'iPhone X. Mais là, ils viennent présenter à la keynote le 12. L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone X. Waouh! Mais Apple, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Mais où il est passé l'iPhone 9? Il n'y a pas eu d'iPhone 9. Ah, c'est des malins. Je suis sûr qu'au mois de mars, ils sortiront l'iPhone 9. L'iPhone X, l'iPhone 9. Ils reviendront en arrière, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont en train de chercher la meilleure technologie, donc. Ils l'ont sorti, mais pas tout à fait, parce que Samsung, voilà quoi. Samsung sont là. Mais il y a aussi d'autres marques qui sont là aussi. Ouais, c'est vrai. Peut-être le Honor. Ah, c'est vrai que le Honor, il est pas cher. Je l'ai vu à 350 €. Ouais, c'est plus intéressant, peut-être, le Honor. Quoique, sur le Samsung Galaxy S8, quoique, il est à 800 €. Je l'ai vu à 800 €. Apple. Apple. Et j'ai voulu faire une différence sur l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10 dans cette vidéo. Quand on regarde la fiche technique de l'iPhone X, il nous dit un Apple A11 Bionic. Donc ça, c'est son processeur. Ok, je vais regarder l'iPhone 8, système d'exploitation iOS 11, processeur Apple A11 Bionic. Attends. Ils ont mis le même processeur sur les deux téléphones, seulement qu'il y aura un téléphone beaucoup plus cher à 1159 €, voire 1329 €. Attends, mais c'est impressionnant. Alors, après, je me dis, tiens, on va regarder en même temps, tiens, on va voir la mémoire vive, ce que l'iPhone 8 a. Mémoire vive, 2 Go de RAM, 3 Go de RAM pour l'iPhone 8 Plus, ok. L'iPhone X, mémoire vive, 3 Go de RAM. Problème quelque part. Je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être sorti 4 Go de RAM, je ne sais pas. Et après, j'ai voulu faire une comparaison avec un autre téléphone. Je me suis dit, tiens, on va aller regarder le Honor 9 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je l'ai retrouvé à 415 € sur Amazon. 350 €. 354 € sur Price Minister. Les smartphones font exactement la même chose. Oui, à part l'iPhone X, X ou 10. Une reconnaissance faciale ou fesse, je ne sais pas. Le jour de la keynote, ils ont testé la reconnaissance faciale, ça fonctionnait pas trop. Il était dans le noir, j'ai un peu peur. Le problème qu'il y a, c'est que si vous tombez en panne avec votre iPhone, si vous tombez en panne avec votre voiture et que vous êtes avec votre iPhone 10, X ou 10, votre iPhone, le dernier iPhone de chez Apple. C'est-à-dire au milieu de la campagne, vous êtes tombé en panne, prenez votre téléphone, et là. Je suis sûr qu'il y a même un agriculteur qui va passer à ce moment-là, qui va vous dire, mais vous cherchez quoi, monsieur? Ben, je cherche du réseau. Non, je suis en train de faire une reconnaissance faciale. Une reconnaissance faciale? Une reconnaissance faciale. Ok. Je sais que si on est sur une pointe de technologie, ok, Apple est allé très fort. J'ai vu sur un site web qui disait que
le dernier iPhone 10, non, l'iPhone 10 ou l'iPhone X ou 10, bon, si vous voulez, l'iPhone 10, était plus puissant qu'un Mac. Waouh! Apple, là, ils se sont dit, là, ça y est, chute libre des Macs. Déjà que les Macs valent très cher. Je suis désolé de ce sens, mais ils valent très cher. Non, c'est pas que ça vaut cher. En fait, vous achetez la qualité. Vous achetez la qualité. Vous démontez un Mac, vous apercevez que vous avez quasiment les mêmes composants que vous allez retrouver sur un iPad. Mais l'iPad il reste cher aussi. On n'est pas loin du SMIC avec l'iPad aussi. Bah, quand il sort au départ, non pas trop, quoique. iPhone, iPad, Mac, iPhone X, X. Ah ouais, c'est vraiment compliqué là. On est un peu perdu là. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10. Alors je sais pas si au mois de mars, on va sortir l'iPhone 9 ou peut-être l'iPhone 8 S, 8 Plus S ou 8, non Red, c'était l'année dernière. C'était pour le sida, tout à fait normal. Ils ont sorti l'oreille à l'association du sida. Bon, ok, c'est compréhensible, ça se comprend. Édition limitée, tout à fait normal, hein. Mais je pense qu'au mois de mars, ils vont sortir l'iPhone Blue. Peut-être. Peut-être. Je suis pas sûr, hein. Mais je suis pas sûr avec Apple ou l'iPhone jaune. Peut-être, hein. Je sais pas du tout. Peut-être. Peut-être qu'ils sortiront vert. L'iPhone vert. iPhone X vert. Waouh. C'est pas que je suis déçu de l'iPhone 10. C'est pas que je suis déçu. Je veux juste mettre des points sur les i, comme on dit. Juste pour vous dire que on n'est pas obligé de faire un crédit pour acheter un iPhone. La toute dernière génération. Au prix d'un SMIC. Ça, c'est lamentable de chez Apple. Vous êtes lamentable de chez Apple. Le problème qu'il y a, c'est que les gens qui sont fans Apple, qui sont 100% Apple, qui achèteront tous les produits Apple, vous achèteront le dernier produit Apple. Mais là, ils ont sorti plein de produits. Apple Watch, Apple TV, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 10. Je ne sais pas, mais bon. Ah oui, il y a encore le support pour charger l'iPhone. Alors, le support, ça, on va venir sur le support. Mais on reste toujours sur l'iPhone, vous inquiétez pas. Et on va aller sur les concurrents en même temps dans cette vidéo. Je suis une chaîne assez ouverte. Et on va aller sur les concurrents. Alors, ils sortent un support pour recharger son iPhone. Ok, c'est bien. On pose l'iPhone, on va poser tous les produits Apple, vous voyez, ils vont se charger. À part le Mac, on ne peut pas le poser dessus. Hein. Ouais, quoique, on le poserait, mais il n'y aurait plus de place pour le reste des produits. Ok, on va poser tous les petits produits Apple, on va poser tous les produits Apple, ok, il n'y a vraiment aucun souci. Ah oui, il y a aussi ce qui est sorti là, le truc qu'on met dans l'oreille, qui reste droit comme ça, et que ça fait iti maison. Non, mais sans déconner. Mais on va tout poser, tous ces produits Apple, on va les poser dessus, ils vont se mettre en charger. Alors l'iPhone va dire, ok, il y a les écouteurs Apple qui sont mis en charge, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, Ok, ça c'est vraiment pas mal, d'accord, mais quand même la station, elle vaut quand même 88 euros. Attends, si j'achète mon iPhone 10, plus ça, plus les AirPods, ah oui, les AirPods, ouais, les AirPods. Et ça revient vraiment cher. Franchement, un produit Apple, vous allez vous en revenir à 5000 euros facile. 5000 euros facile. Si vous achetez un Mac à 3000 euros, vous achetez l'iPhone au prix d'un SMIC. Alors déjà, pour acheter déjà un Mac. Ok, oui, bon. Il y a une bonne technologie sur les Mac. Ouais, ils ont sorti un système de petits... de touches... ils ont sorti un nouveau truc là sur les Mac là. La petite blinde ou le petit logo là, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas de Mac, hein. J'ai pas de Mac. Et si j'aurais un Mac, je me demanderais à quoi ça sert exactement. Ok, je vais aller chercher le petit truc là-bas au fond. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas. J'ai du mal à percevoir les choses. Alors ils vont sortir aussi au mois de décembre leur enceinte sans fil de chez Apple. Voilà. Par contre, le prix, je sais pas du tout. Je pense pour 200 euros. 200 euros, l'enceinte de chez Apple. Je suis sûr que le son, il est nu. Il est bas de gamme de chez bas de gamme. Je suis sûr à 100% qu'il est bas de gamme. Mais on remarque vraiment pas cher qui vont vous produire des enceintes de top niveau. Après, vous avez de la bonne qualité, je dis pas le contraire. Mais il faut faire attention que maintenant, la technologie va tellement
vite qu'il y a des petites marques qui arrivent tout autour et qui arrivent à créer le meilleur de la technologie. En fait, ils arrivent à vraiment à travailler sur la meilleure technologie à bas prix. On l'a du haut prix, on l'a du bas prix. Alors, il y en a qui font des comparaisons. Alors, je ne vais pas citer, mais ils ont fait des comparaisons avec des accessoires très chers qu'on achète à l'année ou qu'on va revendre. Ouais, c'était très compliqué. Très compliqué. Un SMIC, manger des pâtes tous les mois, pour toute l'année, tous les mois, pour économiser, pour acheter un dernier iPhone. J'ai vraiment du mal à percevoir les choses, à concevoir les choses, à percevoir les choses. Ok, je vais vous le dire, je vais être franc avec vous. Je vais vous présenter l'iPhone 8 Plus. Ok. Mais je ne l'ai pas acheté cash. J'ai fait un crédit. Et je vous le dirai dans cette vidéo, j'ai fait un crédit. Je fais un crédit, un tout petit crédit. J'avais déjà une somme d'argent déjà de côté, j'avais mis de côté. Voilà, je vais revendre mon iPhone. Je vais revendre mon iPhone. Et voilà, je vais rembourser mon petit crédit. Et puis voilà, j'aurai mon iPhone 8 Plus. Alors certes, il y aura des gens qui diront, ouais, mais t'as qu'à économiser. Ok, je vais économiser, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, si t'habites encore chez papa et maman, il n'y a pas de souci. Si tu travailles, tu gagnes un salaire, tu donnes rien tous les mois à tes parents, il n'y a pas de souci. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu commences à être père de famille et que tu as des enfants et qu'il faut payer, il faut payer plein de choses tout autour de toi. Il faut payer plein de choses. Et ça, c'est problématique. C'est le gros problème des smartphones. Il y a du haut de gamme. Alors, je dis pas que Apple c'est du haut de gamme, il y a encore plus haut de gamme. J'ai vu encore des smartphones qui sont plus chers que chez Apple. Il y a des smartphones à 25 000 euros. 25 000 euros, mais ça c'est pour les riches. On n'en parle pas. Dans ce smartphone, vous avez l'application Conciergerie. Et je vais vous expliquer à quoi elle sert exactement. Déjà, il faut avoir un compte bancaire, déjà assez plein, pour faire fonctionner ce système-là. La Conciergerie, c'est une plateforme suisse. Vous allez téléphoner et vous allez leur demander ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, mais vous avez le compte bancaire qui va suivre. Ce qui m'énerve un tout petit peu, c'est que voilà, c'est ça, c'est cette bande noire là. Alors, je sais pas du tout si on arrive à la voir. Alors, est-ce que je pourrais faire comme ça ou comme ça ou comme ça? Alors, on va pas arriver, mais bon, vous le savez très bien, cette bande noire là sur le côté, quand vous allez voir une vidéo, vous aurez une bande noire avec les deux bords. Je trouve ça un peu ridicule de chez Apple. Ils auraient jamais dû faire, alors certes. Quand vous allez voir une vidéo, clac, il y a une bande noire complète à gauche, vous regardez une vidéo. Mais alors pour voir deux bords de chaque côté, voilà, c'est un peu la critique de chez Apple. Cette bande noire qui vient là, le système facial, bon certes, c'est nouveau d'un côté, mais après je me dis, ah oui, c'est sûr, c'est la dernière technologie. Quand on était plus jeune, quand on regardait ces films du futur, quand on disait, oh là là, un jour ça sortira, effectivement ça sort. Ça sort, on est en train de... La technologie, je pense que la technologie va trop vite. Je pense qu'on va vraiment trop vite et je pense qu'à un moment, on ne sait pas où c'est qu'on va aller. Le téléphone, à moins qu'on revienne sur le système de clapet. Alors, je sais que Samsung va sortir un téléphone qui se plie, je sais pas, l'écran qui se plie ou qui s'adapte. Bon, un système de clapet, Samsung risque de sortir l'année de 2018. Un nouveau téléphone, il risque de sortir et comme tous les années. Toutes les marques vont sortir encore des nouveaux téléphones avec des processeurs assez puissants, une capacité encore meilleure. Mais bon, après, c'est voilà, si votre téléphone, vous le prenez juste pour aller Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, et j'en passe d'autres, YouTube, et j'en passe encore d'autres systèmes de réseaux sociaux. Je pense que, ouais, c'est sûr, je vais lire mon mail différemment avec Apple, mais bon, avec Samsung, c'est exactement la même chose. Ne vous mettez pas... Comme je vous ai dit dans la vidéo, ne vous mettez pas dans des problèmes de crédit pour acheter le dernier iPhone. Si vous avez les sous, tant mieux. Si vous n'avez pas les sous, attendez qu'il sera d'occasion. Mais ce n'est pas la peine non plus d'acheter le dernier iPhone. Alors pour moi, l'iPhone XS ou 10, comme vous pouvez le comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone, voilà, il ne faut pas non plus faire des comparaisons avec d'autres téléphones. La seule comparaison qu'on peut faire avec ce téléphone, le dernier de chez Apple, il faut faire une comparaison avec ce que vous gagnez tous les mois. Je pense qu'il y a des personnes qui touchent moins du SMIC
et qui doivent baver et râler et devenir un peu rageux peut-être sur YouTube dans les commentaires en disant waouh, t'as le téléphone 10, moi j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon, moi je galère, je suis au chômage, je gagne pas le SMIC, je suis en dessous du SMIC, je ne peux pas payer l'iPhone, pas faire un crédit. Voilà, il y a plein de choses qui vont tout autour de nous et ça malheureusement c'est très compliqué. C'est très compliqué, en sachant que cet iPhone voilà, qui est sorti, il est là, il est juste présent ici, cet iPhone. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'était... Alors, il y a des gens qui ont, le jour de la keynote, qui étaient... Waouh, c'est pas possible. Facial. Ouh, la touche à 10 n'y est plus. Intéressant tout ça. Intéressant. Mais je pense qu'il y aura des problèmes qui viendront au fur et à mesure sur les produits de haute technologie. Je pense qu'il ne faut pas non plus aller très loin pour débrouiller un exemple pour votre iPhone, le système facial. Il va y avoir des tests, je vais regarder tout autour de moi, il va y avoir des tests. Peut-être que j'aurai la présentation de l'iPhone 10 sur ma chaîne YouTube. On va me le prêter, ça c'est sûr. Je ne vais pas l'acheter. Ça je vous l'ai dit clairement, je ne l'achèterai pas cette année. Et je ne pense pas que je l'achèterai l'année prochaine. Ça je vous l'ai dit clairement sur cette chaîne YouTube. Pour les gens que je pense qu'ils sont comme moi, qui comprennent que ça vaut quand même le prix d'un SMIC et même plus cher qu'un SMIC, même mon salaire ne me permet pas d'acheter le dernier iPhone 10. Même pas mon salaire ne me permet pas de l'acheter. Je ne pourrais pas même l'acheter, même sortir les sous comme ça. Je me dis ben, j'ai un loyer comme ça. Je vous le dis, voilà, je suis clair, je peux pas mettre. J'ai 600 euros de loyer, mes factures qui sont autour et je ne peux pas me permettre d'acheter le dernier cri de Chapel. Même attendre qu'il baisse le prix, je ne l'achèterai pas du tout. Parce que je ne suis pas convaincu de ce dernier smartphone avec cette barre noire qui est déjà qui gêne pour jouer au jeu, qui gêne pour regarder les vidéos. Et je pense qu'elle va gêner pour plusieurs choses. La reconnaissance faciale, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout. La reconnaissance faciale, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes la nuit. Ouais, des moments où quand il pleut, je pense qu'il y aura des petits problèmes. Ou si le gars il se fait pousser la barbe comme ça et que ça fonctionne pas. Bref, il risque d'avoir des petits bugs dessus. Je pense qu'il y aura des bugs dessus. Voilà les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo et dire qu'est-ce que vous en pensez de cet iPhone 10. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir vous abonner, être notifié par la petite cloche. Et en même temps, avant de finir cette vidéo aussi, si vous avez aimé ce style de vidéo, dites-moi le dans les commentaires. Et pourquoi pas, je ferai encore des critiques. C'est ça, c'est le système de critiques sur ma chaîne YouTube par rapport aux derniers smartphones, que ce soit Apple ou que ce soit une autre marque. On pourra faire des critiques, faire des comparaisons entre smartphones. Je n'ai pas les smartphones dans les mains, mais je peux faire des comparaisons. Il n'y a aucun souci. Voilà les amis, pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut !